canal ça qu'a fait là, faut prendre yo. Prendre longitudine d'aller mettre dans le canal yo, faut prendre pile précaution parce que la partie tête morte là sont partie qui faible. Pente là doit faible. Et comme pente là faible, c'est gros instrument qui vous mettez. C'est une plus grosse difficulté technique qui est pour mettre en pente un millième, en pente deux millièmes, parce que c'est pas facile. Téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs de Téléradio Provinciale et de Jean-Robert Janouel TV, une fois de plus, nous allons présenter l'émission Haïti Horizon 2054. Aujourd'hui, nous connaissons ce qui fait actualité, c'est que si un canal qui sépare les deux pays, nous allons regarder sur le plan technique et l'autre. Ça fait actualité tout. Nous connaissons une rencontre des Nations Unies et différents chefs d'État, premiers ministres étaient là, ils ont fait discours. Et deux discours qui ont retenu l'attention, c'est discours président dominicain Abinader et discours premier ministre Lacanou, c'est docteur Ariel. Donc, Jérôme, on va regarder deux aspects ça. Je ne vous dis dans l'émission Horizon, Haïti Horizon 2054. Bonjour, bonsoir Jean-Robert, comment vous êtes? Bonjour, bonsoir Rinal, et moi en forme, et moi très bien. Salut à toutes et à tous. Je dis en émission, c'est une émission spéciale qui est un petit plus technique que d'habitude. Et c'est vrai, nous allons passer à revue. Et dossier discours des deux chefs d'État de l'île, mais ça qui est important pour nous, c'est ouais, si nous sommes capables de porter des éléments techniques qui pour permettre un accompagnement de proximité ou bien encore que l'État prenne en charge responsabilité li, dans la question canal massacre. Jean-Robert, nous connaissons que les Nations Unies sont réunies, dossier Haïti est important. Et c'est un bagage qui nomme les Nations Unies. Et plus question canal, la vie ajoute en plus. Comment ou est deux discours? Premièrement, Abinader, qui est président, vice-président, président Dominicani, et premier ministre Ariel, premier ministre haïtien. Comment ou est deux discours? Puisque vous tendez tous les deux. Oui, je me donne tous les deux et je ne pas vérité trop sur tout parce que je l'ai dit deux bagages. Tout d'abord, pour en ce qui concerne le président Luis Abinader, il fait un discours qui correspond à ça, lui-même, il était à chercher aux Nations Unies, il pose des problèmes là, Kaili, et il pose des problèmes au canal là. Naturellement, il y a des bagages, il dit tout pour deux pays qui sont vrais, et en termes environnementaux, etc., etc. Mais il y a autre chose tout qu'il a ajouté, c'est des bagages qui ont des gens qui pour justifier Zach Limene qui permet frontière, qui fait côté le fameux frontière, côté le déplacer l'armée, venir camper en face à Haïti, tout bagage ça qui paraît totalement exagéré. En ce qui concerne, deuxièmement, en ce qui concerne Ariel font discours lui-même qui, même Jean tout, qui pose des problèmes là, Cali, avec vraiment acuité. Côté, monsieur, expliquer très clairement la situation gang, comment il a occupé le pays, comment il a volé, violé, comment il a volé, comment il a tué le monde, comment il a bloqué la route, comment il a fait tout le bagage. Et tout ça, je pensais qu'il était assez sincère pour te présenter le tableau à comme ça. Mais forme de tout, la logique qu'il présente là, tout, c'est logique pour demander aux Nations Unies de porter une aide à Haïti, qu'il a écrit depuis en octobre. Et 2022, quand elle demandait aux aides et qu'on est à l'accentuer sur ça pour monter une situation plus grave. La deuxième partie du discours là, et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, hein, c'est quand elle posait problème canal là. Elle niait tout ça, elle tape pas chez dit dans la télévision, dans la bagaille, c'est que lui-même dit pour ça qu'elle fait là, et la boumée pour nous arriver, faire canal là correctement et respecter tout accord international, tout et accord national qui vient avec la République dominicaine. Pour résoudre le problème, non, pacifiquement, il ne parle pas gourmet avec personne. Et ça, c'est un bon bâti d'un discours qui montrait que la population haïtienne n'a pas en bagarre et d'une seule voix, tout Haïti a parlé d'une seule voix, et que le parle ça, il y a tout problème ça. Et il parle non, mais non. Il va dire comme ça, mais pour lui, il ne parle pas quoi. Bah, ça, j'ai un président de la République dominicaine, son tempête dans un verre d'eau.
Et l'autre aspect qui est intéressant, c'est que tous les deux chefs, yo, dans le problème mondial, là, yo, tous les deux, t'es posé, même bien à tout l'autre chef d'État ou représentant pays, t'es posé question climatique, là. Jobert n'a pas tombé directement dans la question canal, là. Nous avons besoin plus pour nous comprendre. Nous avons regardé un peu l'aspect technique. Et généralement, Jean-Aubert, le canal irrigation, en fait, normalement, bah, nous des détails pour nous comprendre qui s'attendrait dans la formation canal pour irrigation. Bon, ça me devrait dire tout simplement, nous voulons renvoyer Mounio à deux vidéos, nous fait déjà sur cette question ça. La première vidéo, nous t'a expliqué les problèmes qui ont fait arriver côté rivière. Et nous t'a une série d'explications techniques. Nous t'a dit que le canal et massacre son canal qui est entré non ensemble. Et nous t'a bâillé toute explication ça, qui s'allie. Et nous t'a touché dans la deuxième vidéo, effet impact négatif. Que et décision et Abinader prend côté le fameux frontière, il vient avec un paquet et chef dans frontière là, côté lui avec l'armée et prête des armes, bagages sur Haïti à faire des démagogie et nous te dit que pas grand est là pour arriver jusque-là. Et nous croyons que dans l'histoire, Ariel pas dit le même genre avec nous parce qu'il dit même bagage, nous t'a dit là, il n'y a pas de quoi fouetter un chat et pas grand monde qui a besoin de goûter avec la République dominicaine, nous besoin seulement rester dans bon douane. Maintenant, au canal d'irrigation, ça, tout d'abord, nous parlons plutôt d'un périmètre irrigué. Un périmètre irrigué, pourquoi ils font un périmètre irrigué? En général, ils font un périmètre irrigué, c'est parce que de l'eau qui est la terre, l'eau fait manger, un périmètre irrigué, sont des unités qui sont unités qui sont les hectares. Par exemple, dans le cas, on a parlé là, et nous avons un périmètre qui pour irriguer 3 000 hectares de terre. 3 000 hectares de terre, c'est une zone plutôt marécageuse, c'est-à-dire qu'il y a un pile d'eau déjà là-dedans. Et là-dedans, nous avons un pile du riz. Mais il y a des problèmes de drainage, il y a tout problème. C'est peut-être ça, dans le dossier ça, où il y a un périmètre irrigué qu'on va faire de 3 000 hectares, un périmètre irrigué qu'on va faire de 3 000 hectares, où il y a un apport d'eau à poter. C'est donc comme dans le où il y a en série de plantes, parce qu'il y a un bagage pour nous toujours retenir. Le ou pas fond périmètre irrigué, il y a une relation très étroite entre sol là, l'eau et plante ou pas planter. Et dans zone ça, son zone, il y a toujours fait du riz. Et du riz, c'est un bagage qui m'a donné un peu de l'eau. Mais heureusement pour Haïti, dans la zone côté il va faire du riz, ça, son zone tout, qui déjà a un peu de l'eau là-dedans, il y a un problème de drainage. Donc il fait qu'on n'a pas besoin de un peu de l'eau d'irrigation. Et au capable et pas dimensionner canal là pour prendre trop d'eau. C'est ainsi que dans le périmètre irrigué ça et d'invailler son film et cubaine, l'ité font et calcul pour y prendre dans la rivière 1,5 mètre cube d'eau à la seconde, 1 500 litres seconde. Donc il fait que y a dimensionné canal là pour ça et son canal de 2,6 km. Qui gagne des parties en béton ou bien en façonnée de blocs, renforcer ces blocs-là, ou mettre fait la dernière, et en partie commentaire. C'est comme ça, Canal ça, qui a commencé depuis 2018 au président Jovenel, et Canal ça lui-même, il était venu tromper tout avec la mort du président Jovenel, 6-7 juillet 2021. Donc, problème, c'est comme ça lui poser. Chaque canal, lorsqu'on périmètre irrigué, rappel rapide, ou gagne soit un barrage. Qui prend de l'eau, ou surélever de l'eau un petit peu la rivière là, pour l'entrée dans le canal là, soit ou on prise sur berge, ou fait la partie concave là, c'est-à-dire la partie creuse. Donc, il laisse ça, ou percer berge là, de l'eau aller tout directement, c'est-à-dire ou prendre le fil de l'eau, ou bien encore, ou qu'on fait le pas pompage. Et chaque cas de figure, ça a demandé des principes de base pour respecter. Elles sont bonnes? Et on est alors, l'offre en périmètre irrigué, ou bien un canal principal, ou bien un canal côté où fait président. L'offre fait président qui vient de un barrage, un pompage, ou bien on prise sur berge, ou bien un canal tête motte là, qui lui-même, premier côté le bail de l'eau, canal tête motte là, gon côté, de côté où prendre l'eau avant, et y aurait tout le reste canal qui va venir, il y a le canal principal. Et on est là, ou gagner un ensemble de canaux secondaires qui lui-même va mettre de l'eau dans le canal tertiaire et le canal tertiaire va mettre de l'eau dans le jardin.
Et nous t'expliquer ça tout, ou drain tout, c'est l'inverse. Ou bien drain, drain, petit drain, petit drain, qui est le drain tertiaire, l'autre drain va tomber là-dedans, qui est le drain secondaire, et après ça, l'autre drain principal, ou bien gros drain, qui est le même qu'Algétel. Soit long lac, soit long mer. Donc à partir de là, je me pose des problèmes, comme ça, on va poser toutes questions sur chaque détail, ma bon. Il y a l'eau comprise par berge, ce qui ça veut dire pour aider mon yo comprendre. Et moi, en pile d'état de différents canaux primaires, canaux tertiaires, est-ce que, non, parce que moi, j'ai une concentration uniquement dans le canal qui prend l'eau, mais structure ça yo qui vous permettre une bonne utilisation de l'eau après dans le canal là, est-ce que structure ça yo existe? Oh non, il y a des périmètres qui déjà, ou il y a des périmètres qui sont rivières à ça, qui gagnent de canal comme ça, canal secondaire, et qui gagnent canal tertiaire, tout. Il y a le canal à Obuse. Mais le système de drainage n'est pas vraiment correct. Et ça a existé. Comme de l'eau a appris. Et d'après ça, je connais tout qui va jeter la rivière Jassa, qui est déjà en Haïti, et qui va alimenter en série de côté, et la zone Ferrier, et la zone Bas-Marie-Baou. Donc, je ne reconnais si tout canal ça a existé et si vous êtes toujours en forme. Et si vous n'êtes pas en forme, vous obligez de réhabiliter pour être capable de joindre un apport nouveau système dans nos premiers parties, ça, il va faire là 2,6 km. Donc, ça veut dire 2,6 km à faire, il y a prendre rivière Massacre pour entrer. Donc, là, il y a une certaine inquiétude dans ce là. Si que l'autre système n'a pas existé ou il a existé ou qu'on a pendant 2 ans là, pas rien qui fait, là, il y a une certaine inquiétude que là, nous finissons prendre loi, si il n'y a pas réhabilité et réhabilitation ça, c'est responsabilité l'État et nous sentir au départ que l'État est absent. C'est peut-être un petit effort qui fait nous samedi, etc. Na, vin souli. Donc là, nous avons certaines inquiétudes, Jean-Ouvert. Oui, aucun intérêt pour une inquiétude. Moi-même, on a raison de faire d'abord les émissions, ça, je veux dire, nécessité de accompagnement, de proximité de l'État et pour l'État, je relis en tant que monde qui peut faire système d'irrigation en Haïti. Parce que l'État a une obligation pour construire système et paysans ont une obligation même pour gérer système. Parce que c'est comme ça, c'est sa loi dit qu'on y a. Donc, paysans eux-mêmes, face à inactivité de l'État, face à inaction de l'État, depuis 2 ans, et à cause de problèmes de manque de continuité de l'État ou de pas continuité de l'État, de principe de continuité de l'État, paysans n'ont pas responsabilité. Mais on est à la nouvelle en phase. Côté, ils sont arrivés dans prise et ils ont fait canal tête morte. Canal tête morte là, c'est un canal qui doit avoir un petit pente très faible. Et pente très faible, ça va pas aucun monde qui va mettre la géo. À moins que ce soit un ingénieur qui maîtrise les magasins, qui a besoin de technique pour le métal. C'est instrument topographique qui pourrait aider au métal, parce que pour une pente faible, et au moins ça aurait un régime fluvial. De l'eau va courir tout doucement dans le canal, ça, et il faut qu'on ait l'antigène gonné pour le capoter de l'eau. Si vous le portez 1 mètre cube 5 à la seconde, il faut qu'on ait l'antigène gonné pour le capoter. Est-ce que vous avez un bon Donc, laisse ça, pente là dans la zone à la faible. Et il faut que vous preniez toute disposition pour que le canal là bien fait et pour pente là, par exemple, contre pente là-dedans. Ouvrage, vous avez parlé, vous avez posé une question sur l'ouvrage là. Et l'ouvrage là, en général, Jean Yoffel là, côté Yoffel là, lui peut sembler un ouvrage au fil de l'eau, c'est-à-dire on prie sur berge. Or, je trouve que lorsqu'on prie sur berge, lui-même, on a fait la partie concave là. Mais, soit par le mettre en barrage, barrage généralement, on met la partie qui est droite dans la rivière. Est-ce que vous comprenez? Et laisse ça qu'on a de l'eau, va pas être non coupe. De l'eau apparaît directement sous barrage et dans deux ailes barrage, dans deux points de barrage, on met prise à droite, prise à gauche. Or, pas noir sont seules prises à bien. Donc, c'est le problème ça qui posait. Et ça, demandez pour technicien qui connaît, pas seulement un ingénieur civil ou bien un architecte, c'est un ingénieur d'irrigation, spécialisé en irrigation, mais qui a expérience dans l'irrigation qui peut faire. Et c'est peut-être ça nous demander pour l'État. En tant que ministère de l'Agriculture surtout. C'est pas l'État dans son ensemble, non. Le ministère spécialisé, le ministère de l'Agriculture, pour le prendre responsabilité, pour vraiment camper avec paysans pour finaliser le travail, ça bien,
pour moun pa di demain si Dieu veut. Paysan yo te font gargote, yo peye ouye, canal te mal fait, bagay te inapproprié. Donc, puis a vin di pièce, bagay comme ça, puis le président et premier ministre Ariel déclaré dans l'ONU que yo même y a fait canal, pas compagnie paysan jusqu'au bout. Donc, par conséquent, il faut un accompagnement de proximité pour yo prendre sa balle en charge avec paysan parce que rien doit faire tout. Même si responsabilité pour faire, mon cas faire en régie assistée, c'est-à-dire ou assister paysan pour le faire correct. Et comme ça, si tu as fait avec un film qui est le Dine Vaillé, il faut l'État, c'est pas une responsabilité pour bailler bien fait, pour bailler pièce reproche de merci Dieu. Et moi, technicité qui vient là-dedans, on parler de pente qui doit être faite, qui pas même j'en pente soit font route, etc. Et que c'est des appareils spéciaux qui doivent être utilisés avec des mondes qui connaissent. Et samedi, après discours que le Premier ministre a fini faire vendredi, moi, dans des vidéos, dans la zone, quatre machines travaux publics, tracteurs. Est-ce que c'est à travaux publics qui doit être responsable ou encore c'est ministère agriculture, Jean Soudia? Parce que pour Mounio, il dit, ah, mes travaux publics viennent. Nous avons plus de lumière sur l'aspect ça. Bon, on connaît l'État haïtien ces derniers temps, les jeunes d'avoir acheté plus de machines, ils ont acheté dans le cadre du programme Caravane, etc. Toutes machines ont acheté sous nos travaux publics. Même la machine appartient à ministère de l'Agriculture, c'est six travaux publics qui sont sous lit. Est-ce que vous comprenez si c'est même machine ministère de l'Agriculture qui vient avec six travaux publics, ou bien encore si c'est travaux publics qui voulait renforcer. Mais de toute manière, même si c'est travaux publics, c'est monde qui a autorité. Pour faire travailler ça, pour servir avec machine ça, ce n'est pas travaux publics, c'est ministère de l'Agriculture. Donc, dans ce sens-là, je pense que c'est ministère de l'Agriculture, à partir de discours pour le ministère et prise de responsabilité, lui-même, officiellement, il dit, faut qu'on a terminé, il faut qu'on a terminé en bonne et due forme, suivant les règles de là. Il n'a pas dit comme ça, mais c'est comme ça, je comprends. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est peut-être ça, machine Yovini, qu'on a pour aider les paysans. Par exemple, d'abord, il a fait ça là, mais il a fait, si machine a aidé, il a fait, il a fait plus vite et plus bien. Donc, dans ce sens-là, ministère de l'Agriculture, monsieur, il a délégué des ingénieurs. Si on n'a pas délégué des ingénieurs, qu'il y aurait les films qui ont fait travail là, pour qu'ils n'accompagnent pas les paysans, pour qu'on soit dirigé, assisté, pour qu'ils soient bien sortis. Pour que ce n'est pas après coup, il n'y a pas laissé corriger rien. Et le même gardé, Jean-Aubert, dans l'inquiétude, m'a gardé en tant qu'observateur, le même gardé et mur qui a fait dans le canal là, c'est en bloc. Et là, nous connaissons, l'homme a fait en bloc, usure de l'eau. Est-ce que œuvre là, par une longue durée, dans le même gardé, c'est bloc. C'est qu'on y a moins d'enfants qu'il y a fait des bétons armés. Est-ce que là, il y a une certaine inquiétude par rapport à durée bloc? Comment ça t'a dû faire pour que Jean Abdila, bah, vous faites un pied devant, pas durer, et puis il y a des dégâts qui fait. Et le ça, nous baille Dominicain, yo, raison pour dire, c'est peut-être ça m'a dû faire, mais bah, l'écraser, mais danger sa portée. Et comment, ou même en tant que spécialiste dans le domaine, ça, comment, ouais, problème ça, et qui solution qui t'a capoté? Bon, pour le bloc là, et moi, marqué, ça me devait marquer, là, au fin de le canal là, et malgré que ils ont fouillé le droit, c'est-à-dire qu'ils ont fait un canal rectangulaire, et il était crampé, c'est-à-dire que sol là est crampé, tout droit. C'est-à-dire que ça veut dire que, et où l'on présente donc bon sol. Donc, on est allé là, on vient mettre le bloc là, et c'est un bloc armé. C'est-à-dire que non seulement ils mettent le bloc là, ils ont fini de mettre fer à l'intérieur du bloc là, ils ont coulé le béton dans tout fer. Donc, ce qui fait que le bloc là vient jouer un rôle de mur de soutènement. Est-ce qu'ils ont fait calcul avec bloc 20 ou avec bloc 30? L'APK joue un rôle ça. Les poussées terre réagissent. Est-ce qu'ils ne peuvent pas pousser lui? Donc, nous ne connaissons pas. On sait pas qui gagne. Nous supposons que si c'est sous plan, ça et film cubain là, qui est le Dinvaï constructionniste. Si c'est film, si c'est sous plan, ça y a fait travail là, je suppose qu'il y a des bagailles qui calculent. Nous ne pouvons pas faire commentaire sur un bagaille que nous ne connaissons exactement qui calcule, qui fait tout lit. Mais nous connaissons. L'op monte bloc à hauteur, ça a tout. Au ville tout non mur de soutènement. Donc, il est toujours bon. On connaît l'op font mur de soutènement, on saute en bas. Et puis gros, tout l'op monte la vigne affilée jusqu'à ce qu'il vienne en la tête là. Et le bloc là lui-même, il monte tout droit. Et là, ça, si le bloc a monté tout d'un, il faut que le bloc ait suffisamment de résistance depuis en bas et jusqu'en haut pour qu'il y ait poussé terre.
Tu as été fouillé, elle a perdu, bah, elle a grené pour l'aile camper des blocs là, pour ne pas faire un bloc là. Donc, ça, c'est toute question technique, ça, yo, pour et au gagner accompagnement du ministère de l'Agriculture qui pour aider, que, corriger, si il y a qui pour corriger, améliorer ça qui est pour améliorer, et puis faire mieux. Elles ont bon pour bah, la fini. Et là, m'a gardé dans la prise là encore, Joubert, on sait une distance, m'estimer peut-être 3 ou 4, peut-être une centaine de mètres, moins que qu'on coupe dans le canal là. Est-ce que ça va diminuer dans le flux, généralement, canal de prise? Est-ce que ce n'est pas toujours un canal qui doit faire tout droit? Bon, et oui, aucun fond canal de prise qui gagne un coup de la donne, aucun fait, oui. Parce que pas oublier, de l'eau, c'est un bail qui va la prendre forme et canal là. Mais l'élab viré, la coupe là, il y a un frottement. Même genre, la machine a viré la coupe. Il y a un frottement, il fait. Mais il n'y a pas un gros problème. Même pas, c'est tout. Ça fait le fait comme ça, c'est le, peut-être, dans le côté instrument, il y a fait qui pourrait aller tout droit. Là, il y a un compte, il ne peut pas être un petit peu en bas. Et dans la partie concave là, ils ont corrigé pour paraître un petit peu plus haut. Mais il y a une inquiétude, c'est là où on dit que, et le map gardé, Jean-Dominique a critiqué Haïti, on dit que c'est un canal de déviation. Haïti dit la fin, et les salles vont le mettre, ils ont barrage. Et barrage, va le créer un paquet de problèmes, ils vont le dévier toute l'eau. Ça, c'est un barrage qu'il faut. Haïti, pendant qu'il prend 1,5 mètre cube sur un dossier moyen, et puis il va dévier toute l'eau. Ça, c'est un mensonge pour qu'il fasse le monde dominicain fâché. Et puis l'autre bagaille dit tout, il fait connaître que canal là, 55 km depuis Sous-Livé jusqu'à Berdemansénil, côté là, Altombéa, il fait connaître que rivière ça, c'est rivière, il y a 88% qui pour eux, il y a 2%, tout ça, c'est mensonge. Parce que quand vous avez un mètre qui se sépare avec Haïti, il y a une rivière internationale. Alors que toute Saoudia n'est pas vrai. C'est une rivière internationale, conseil de règles pour appliquer et pour faire ça. Et l'État haïtien lui-même, j'ai fait une prise là, moi-même, j'ai passé son prise sous berge, je ne vais pas le faire. Et dans le cas où il a pété un barrage, et d'après calcul moué qui fait, il parlait de 500 mètres cubes par seconde. Et ils font calcul. Si il y a de l'eau qui absorbe dans ce versant, il y a un pile là qui tombe, il y a 500 mètres cubes qui va passer sous tête barrage là. Et si il y a 500 mètres cubes qui va passer sous tête barrage là, alors que le calcul était fait pour prendre l'eau, c'est 3 mètres cubes seconde qui t'a passé. Donc à ce moment-là, vous perturbez, vous créez ou bloquez le flux normal de l'eau, l'eau bloquée quand l'eau qu'on a coulé. Au contraire, il y a écoulement li, on est à loguer tout, si tu as gagné toute quantité de l'eau, ça va venir tout. Donc, laisse ça qu'on est à remou. Remou, on va le faire. Et hauteur de l'eau à monter, mais hauteur, et laisse ça qu'à déborder, berge. Mais l'eau, on calcule comme ça tout, en tant qu'ingénieur, ou toujours qu'on est côté le bras monté. Il faut augmenter, berge, il faut renforcer pour ça pas fait. Pas qu'aucun ingénieur qui fait un calcul, qui va mettre ton barrage, qui pas prendre des précautions particulières. Seul bagage que avec ça, c'est que côté, si y a un barrage vrai, il met le coup là, là son problème. Il faut corriger le plus rapidement possible. Comme je regarde, moi, au grand parti concave, au grand parti convexe, c'est-à-dire qu'on va faire comme ça. Tiens, tant qu'on couleuvre. Donc, à ce moment-là, la première chose pour faire, c'est pour garder la partie, entre partie concave et partie convexe là, c'est là où on met prise là. Et l'homme de barrage là, il faut prendre pile précaution pour barrage ça, pour le solide, mais en même temps tout, pour renforcer deux bergeaux et de façon à ce que et son belle longueur en amont et en aval, pour bergeaux pas de problème, le ou gain de perturbation hydraulique, c'est-à-dire que le rivière descend, pour le rivière pas poser de problème et pas inonder des deux côtés, bah, des problèmes comme ça. Mais c'est des bagailles qui sont pas compliquées pour corriger. C'est peut-être ça, l'État haïtien a devoir pour lui-même, pour le Chita, dans la réalisation finale. Ça. Et tout le monde a fait de gros faits, il a marré, il a foncé de bagages comme ça. Ça, c'est des bagages spécialisés. Bossa fait li, mais il fait li sous direction en ingénieur. Parce que Bossa connaît exactement quel niveau de renforcement pour le bail. Parce que tout renforcement, c'est important parce qu'il y a tendance à faire route côté ou le canal là. Et au bout de côté ouvert.
et canal là. Ils ont dû faire tout le bagage avant d'ouvrir. C'est lieu de bloquer tout et entrer canal là pour les rivières descendre pour le barrage. Et leur fait travailler ça tout surtout. Ça, ils ont barrage dans la rivière ou faire la saison sèche. Ou pas faire la saison pluvieuse. Ouais, ça me donne. Donc, tout bagage, c'est des bagages qui. C'est des ABC. L'heure où ingénieur d'irrigation, c'est ABC, ça, il faut qu'on ait. Il faut qu'on ait un bassin versant, qui quantité de l'eau qui a sauté là-dedans, qui quantité de la pluie qui a tombé là-dedans, n'a pas seulement le cas Gonaïve. Gonaïve, nous avons 1 000 mm de la pluie qui est tombée à 24 heures sur Gonaïve. Vous changez, Jeanne, Bien. vous changez Ike avec Anna, et, ça nous gagne en 2004, ça nous vient en 2008. Ou songez, ça fait Gonaïve, ou même, qui était juste en bas, pas tout Eli, mais moi-même qui t'a regardé, et dans la zone date, Kaiti, France, de l'eau a monté sous tête, ça veut dire qu'on rivière, son drain naturel. Li drainé, on gros bassin versant. Le bassin versant, ça, après recevoir de l'eau, c'est là qu'on cuvette, après recevoir de l'eau, qui gon sorte de canal là-dedans, toute l'eau qui a tombé dans la cuvette là, là va passer dans un petit bout de canal ou bien. Et ça aurait les drains naturels qui est les rivières là. C'est ça qu'il faut de gagner une inondation Gonaïve là. Donc on est à la maintenant. Où il y a rivière, voilà, mais il y a même y aurait les rivières d'Abonde, même y aurait les rivières Massacre. Oh, il y a près de 700 kilomètres carrés de bassin versant. Imagine donc quand il y a de l'eau tombée sur ça, et vous venez de barrage dans la zone ça là. Donc, barrage ça, il faut prendre des précautions nécessaires. Mais on fait calcul là sous des épisodes assez extrêmes. Et on dit, bon, on lit qu'à grand 500 mètres cubes là-dedans. Mais très certainement, pour arriver à 500 mètres cubes, ça n'y a pas de l'eau pour tomber sur le bassin versant. Donc, nous, on pas besoin de toute l'eau ça, non seul, non seul l'appui. Et ce dragon cyclone, il est difficile pour atteindre plus que 1 mètre cube et 1 000 mm l'appui non seul jour. Parce que là où on va se faire sanguin 1 500 mm là, puis 2 000 mm là, puis c'est sous année. Ce n'est pas sous une période courte. Mais si ça t'arrive au grand pile là, puis tomber, ou même là, on fait quelques là, on dit bon, si tout ça t'a tombé dans un seul jour, moi-même, mais qui ça pour me faire barrage, moi, pour barrage, moi, résister à tout ça. Donc c'est tout bagage que Dominique et reprend, il regarde les dossiers techniques là. Yo prend aspect au besoin, parce qu'on a fait un dossier technique, dit tout ça, vle techniquement. On a même utilisé le politiquement. Vous dites, bon, dossier, ça a fait baisse, ça a fait baisse, ça, mais ça va poser comme problème. Et c'est peut-être raison ça. L'État haïtien, à cette phase des débats, avec responsabilité, le point, dans l'ONU, dans tout le bagage, par l'organe du Premier ministre, il faut que yo baille un accompagnement de proximité pour toute sa crédité pour faire, pour faire très bien, pour faire correctement et pour faire suivant les règles de l'art. Jean-Robert, et quand l'autre inquiétude vient, et c'est l'heure à regarder, et population a dit que Dominicanin a fait 11 prises sous rivière, yo même foral dégâts, yo fait même 10, 11 prises par yo. Et l'heure à regarder, technicité qui vient dans ça, responsabilité que l'État doit prendre, et puis, ou regarder, population peut-être, yo pas connaît, et non, émotion, folie, ou kawen gen l'autre, qui dit, bon, maman prend des prises dans l'autre côté canal, parce que même Jean-Dominicain prend ensemble de prises, nous ne nous pas prendre, nous commençons, faut nous prendre pas. Là, il y a une certaine inquiétude, d'où le garde réflexion sa yo, et qui a mené des prises de décision folle de population, si, j'en dis, l'État pas prend responsabilité. Parce que la gestion de l'eau dans le pays, c'est la responsabilité d'État. Qui gère de loi, bon, il y a des lois qui permettent que des partages qui fait par certaines responsabilités à des groupes, mais c'est le devoir de l'État dans le pays, c'est-à-dire l'individu de l'État, le gouvernement, et qui chita tout dans continuité de l'État, même si le gouvernement ça allait, mais l'autre gouvernement qui vient, il y a une responsabilité. Et comment on Bon, inquiète tout ça? inquiétude, et ou développons pas quatre bagages après première inquiétude déposée là, et quand tu j'en t'ai perdu du moins, vous parlez de Mounio, dit on va faire 11, on va faire 11 prises tout. Non, il y a un droit, puis il a fait tout parce que Dominicain est dans 11 Le canaux. problème n'a pas posé comme ça. Le problème n'a pas posé en termes de quantité de prises. Elles ont parce que nous-mêmes, nos seules prises,
n'a pas couvert 3 000 hectares, par exemple. Mm. Yo même, dans tout ça, vous faites déjà, yo presque arrivé dans 4 000 hectares. Est-ce que vous avez un exemple? Donc, ou même non, celle-là, ou presque pas le prendre 3 000. C'est une question de nombre de prises. C'est une question de superficie. Et les gens, qui superficie ou va irriguer? Est-ce que vous avez un exemple? Donc, ça veut dire que quand il y a là, côté nous, il y a là, c'est fait ça, nous, il y en a fait bien. Nous-mêmes, nous avons une quantité de l'eau qui sort de la caille, nous. Nous avons près de 4 mètres cubes d'eau en moyenne qui sortent de la caille, nous. Nous avons près de 3 mètres cubes d'eau à la seconde et 3 mètres et quelques qui sortent de la caille, pas. Dans la dernière étude, moi, ouais, on sait que bah, qui fait, je vais chercher, je vais faire un paquet de recherches pour me dire que tout le monde. Ça veut dire que bassin versant, et je te dis, nous, bassin versant, c'est 380 km liés, etc. Et nous avons regardé, nous avons répartition. L'aime, je donne une information, bassin versant, plus connaît que ça. Et là, le nous garder dans le bassin versant qui est là, et j'ai représenté le qu'on a avec, et nous avons 3 sous-bassins versants, nous avons 4 sous-bassins versants. Mais ça veut dire qu'il y a 4 là, bah, plus de l'eau que ça qui sortait à Haïti. Est-ce qu'on a un là? Donc, tout OK. le bagage, c'est des bagages techniques pour paysans, pour expliquer aux paysans, pour faire reconnaître. Ce n'est pas une question de nombre de prises, ce n'est pas une question de longueur, de canal, c'est une question de on règle qui gagne, tout ça fait. Et sous une rivière internationale, faut partager en deux. L'autre la gagne tant ou gagne tant. C'est de l'eau. C'est la ressource eau. La ressource eau, c'est-à-dire qu'il faut pas ou quitter sur 7 mètres cubes, faut prendre 3,5 ou quitter 3,5 pour l'autre. Est-ce que madame Doula, ou pas Il gagner faut qu'il y pour ait des parler? échanges qui fait tout entre deux, du Non, point de vue technique, entre deux pays. obligatoirement. Obligatoirement, ou pas gagner, par exemple. Et Dominique et Parachita dit parce que Patrick, il y a la caillou, il doit prendre plus. Il doit faire ça. De même que la Tibonite. La Tibonite vient plus et la caillou. Que l'issue de la République dominicaine, mais il vient plus la caillou. Il doit manger la Tibonite côté EUA, c'est un pavertique et gouvernement haïtien. De même que haïtien, tout, pas manger la Tibonite côté l'IA et rivière la Tibonite, c'est le papa là avec eux. Surtout dans la partie qui a affecté eux. Parce que là, on prend un barrage Béling. Ou barré de l'eau. L'eau barré de l'eau, ou refoulé. S'il refoulé l'entrée en République dominicaine, la balle crase des jardins, la balle crase des terres, il faut discuter avec eux pour ça. Est-ce que madame de l'eau, il y a même tout. Si vous faites bagaille, vous ne pouvez pas faire bagaille en la caillou, vous bloquez l'île, vous prenez tout à fait, et puis vous ne pouvez pas quitter rien, descendre en bas. Même là, nous avons une bonne quantité, c'est la caillou liée. Donc tout ça, vous demandez négociation, et vous demandez technicité, et il faut paysan contre ça, et il faut faire ça, vous voulez. Éducation, et ça nous est vulgarisation. Et que Mounio, exactement le problème d'en poser, expliquez Mounio qui doit gagner et qui doit l'autre pays gagner parce que nous avons une situation qui est déjà complexe parce que c'est une rivière internationale. Et Donc, on une rivière. les conflits tout, c'est au niveau de la diplomatie, au niveau des instances internationales, côté problème y a posé, et chaque pays est responsable. Du point de vue technique, les va justifier décision qui été prise. Donc, Exactement. nous Mais avons l'autre là, on va niveau. dire, dans le cas où nous sommes là, on a un conflit. Nous, là, ça a eu l'air différent. Parce que c'est pour un conflit, nous sommes là. Nous sommes différents. Nous comprenons les gens, moi, je comprends l'autre gens. Vous faites 11 prises, je dis, vous faites 11 prises, même pas les 12e, parce que moi-même, mon dernier, je suis 11 ans, et une douzaine de prises, je fais, mais je regarde toute quantité superficielle au couvre avec. Il a couvert moins que à peu près 3 900 hectares avec toute prise de fer. Nous-mêmes, non seulement là, nous avons couvert 3 000 hectares. Vous voyez, Donc, à ce moment-là, il faut que tout ça soit fait, même si j'en ai fait, en 1978 et 1979, entre président Goussman et président Duvalier, c'est une entente entre techniciens qui gardaient et ils laissaient faire le barrage Pédernales ou le barrage Sapit. Et au fait, ils ont séparé de l'eau à moitié, moitié. Nous ne savons pas, nous, c'est vrai. Nous ne pouvons pas faire grand-chose avec eux, mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Mais de l'eau à séparer moitié, moitié. On ne peut pas savoir qui s'en va faire pas maintenant, qui s'en va faire pas là. Mais on ne peut pas prendre toute l'eau. On ne peut pas prendre toute l'eau, ou même, et puis on dit rivière, c'est rivière pauvre. Et c'est ça au fait qu'on est en République dominicaine qui fait tout conflit ça. Comme si la rivière d'Arabonne. C'est comme ça, les rivières d'Arabonne, c'est la rivière République dominicaine, il n'y a rien à voir avec Haïti.
Or, rivière d'Abonne, nous relions les rivières Massac, son rivière internationale qui obéit à et la Convention d'Helsinki. Et en tant que telle, fort où on partage juste et équitable de droit. Et il Non, mais obéit au traité de paix, d'amitié et d'arbitrage du 20 février 1929. Et il y a un autre accord et déclaration du 27 mai 2021, côté où tu es d'accord. Ça qu'a fait là, c'est pas un bail qui est grave et c'est sous base ça pour toute négociation au fait. Jobert, est-ce que le matin des présidents, oui, Abinader, qui dit que Canada une longueur de 55 km et que les parties qu'il y ait noires, c'est à peu près 2 km qui séparaient. C'est comme si dire, c'est au niveau de 2 km là et rapport et convention que nous signons, que y a même 53 km, c'est censé se river pas puisque l'on dans la caillou. Comment on voit ça? Non, ça c'est bullshit. C'est parole, c'est même logique et électorale, bah, politique, déformer la vérité et prendre des bagailles qui en faveur Mouna. Il y a 55 km qui passent la caille et ou bien combien qui passent la caille. Tout ça, c'est même gens tout. Et nous avons dit tout. Et apport que nous portons dans la zone, ce n'est pas nous, puisque eux même. Toute quantité de l'eau qui sortit dans rivière Jean-Denant, dans rivière Capoti, tout calcul qui a montré, c'est lui-même qui a alimenté tout derrière là, tout en bas. Parce que toute l'eau, c'est l'empanneau. Nous avons de l'eau panneau, nous prenons. Elles ont parce que nous avons fait un bon captage en haut. Elles ont sacrifié, petit filet qui va en bas, en pile. Nous avons dit, mais on ne peut pas partir pour là, mais on ne peut pas partir pour nous. Mais tout reste parti, ça que c'est pareil, la République dominicaine et haïtienne, c'est presque la Jean de Nantes, avec rivière Capotier, on l'autre rivière qui sortit et en haut, qui mène et vini. Et bassin versant, dans zone ça, qui mène une quantité de l'eau là, d'après dernière information, lui représente 56%. Mais qui soit venu dire là, laisse ma balle faire tout argument technique, ça, on m'a présenté au devant. Et là, ça arrive devant le tribunal international, et là, arrive devant l'ONU, arrive devant l'OEA, devant tout le bagage. Et suivant la convention d'Helsinki, on a perdu. On a perdu, puis on a perdu. Mais où est-ce que tu as perdu? Mais on a perdu toute trace qu'il a écrit. Parce que je regarde une note, et le ministre des Affaires étrangères a écrit ministre des Affaires étrangères, pas non. Personne ne regarde les dates là, non? Qu'est-ce qui date lié? Juillet 2021. Qui joue Jovenel Moïse? Et en juillet. 6-7 juillet 2021. Comment dire? 6 juillet 2021, vous êtes envoyé notre bao, je venais la mourir dans la nuit, 6-7 juillet 2021. Alors, pour justifier que vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire cela, il faut arrêter les travaux, etc. C'est laisse ça pour garder les gens, vous ne pouvez pas faire un hasard. Je ne accuse personne, non? Mais moi-même, garder les dates. Et comme moi-même, moi-même, l'histoire, moi-même, la chronologie, je garder les dates. Je me dis, mais c'est drôle. Ils ont fait publier dans tout le journal le 6 juillet 2021 que on doit arrêter travaux pour négocier. Et puis je viens la mourir dans la nuit. Crasé. Je ne vais pas accuser personne, non, juste pour interrogation. Pour qui ça? C'est juste ça, la veille de la mort, la journée et 6 juillet publié, et je viens la mourir le 7 juillet dans la nuit. Alors que nous avons une avec vous depuis le 27 mai, nous devons valoir droit à moi. Je ne sais pas comprendre, non? Pendant toute période, on ne va pas dire rien. Réagit. On ne va pas dire rien qu'on n'a pas levé un autre pour dire qu'il faut me faire mes travail là. Faut me camper travail là pour me négocier. Et puis, on entend dire qu'il faut me faire mes travail là pour me négocier. Et puis, le président n'a pas le mourir dans la soirée. Nous camper là. Jean-Aubert, nous venons de faire une mission, les mêmes gars, des technicités qui viennent là-dedans. Responsabilité gouvernementale qui doit jouer au rôle. Et nous bien content que le Premier ministre, là, pour la première fois pour moi-même, qu'il prend un discours côté, il présente le dossier qu'Haïti a clair et il a prise de position et la question canal là. Et nous disons, ouais, non, samedi, tu as gagné en présence d'équipement de l'État. Et j'en dis là, nous croyons que dans le cas où nous vivons là, il faut que le gouvernement
prend responsabilité et gouvernement qui vient après a continue à prendre responsabilité. Et c'est comme ça nous arrivons à résoudre une série de bagages, nous pas entrer dans le conflit. Je ben dans l'autre émission, ça me nous parler de toute l'autre rivière qui vient dans le pays. Est-ce que nous utilisons à bon escient? Et si nous t'as utilisé ou bien, qui est fait ça te kabaye par rapport à la crise nous connaissons, frontière qui ferme, qui a un impact immédiat et nous t'es commencé well. Maintenant, m'espérer nos prochaines émissions, nous t'as regardé plus près. Non, prochaine émission, on a ça, on a regardé pour nous, qui, avec tout le monde au niveau d'Haïti, et quand il est là, puis il est tombé sur Haïti, parce que Haïti a fait manger, ça a eu l'agriculture pluviale, et en même temps, tout le monde a fait agriculture irriguée, et nous avons un paquet de l'eau, et nous avons une nappe d'eau, nous avons de l'eau souterraine, nous avons de l'eau de surface dans la rivière, et nous avons tout le bagage, ça. Et nous avons fait une émission sur ça, on a cherché plus de documents, même si on a cherché aujourd'hui, hein. Nous espérons que nous comprenons plus ou moins certaines explications que nous baillons, mais nous excusons nous tous parce qu'il y a des bails qui ont un genre technique. C'est difficile pour expliquer Mounio, mais nous insistons sur un point. Canal, ça qu'a fait là, faut prendre pente longitudine d'aller mettre dans le canal, il faut prendre pile précaution parce que la partie tête morte là, son partie qui est faible. Pente là, d'où est faible. Et comme pente l'an faible, c'est gros instrument qui vous mettez. C'est une plus grosse difficulté technique qui est pour mettre en pente un millième, en pente deux millièmes, parce que c'est pas facile. Donc c'est pour cette raison, ça, nous demander, et pour accompagner l'État, insister sur des petits détails comme ça. Positionnement de prison, positionnement de barrage, positionnement et canal tête morte par rapport soit font prise sous mer soit font prise et en rivière et ça relève en barrage soit faire en pompage tout détail ça rien des principes de base et nous demander pour prendre précaution sacrifier côté rivière là rivière loin nous ca corriger et nous ca faire un bagage qui ferme bouche dominicain qui vraiment un bagage sérieux qui répond aux règles de là nous camper là et merci et la prochaine fois on a essayé garder partout dit là camper là par la gueule. Ok, merci Jobin. Nous remercions tout le monde qui toujours a suivi vidéo nous et nous donc inscrit sous page Jobin Journal TV, inscrit sous page Téléprovincial et partagez vidéo nous à l'autre monde, à l'autre amour, parce que nous-mêmes n'a parlé de technicité, n'a parlé avec sérieux et avec amour nous gagnons pour pays nous. Donc comme disait le feu professeur, soyons sérieux. Moi Jobin, nous sérieux. Notre démarche n'a fait pour nous porter lumière, bah, ou même qu'il y ait une chance d'en dévider nous. À la prochaine. Merci Jean-Aubert. À la prochaine sur cette chaîne.